Shavuatov à toutes et à tous. Eliyahu Anavi, Eliyahu Atijui, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Anavi, Eliyahu Atijui, Eliyahu Agiladi. Bimehera Yavo Elenu. Bimehera Yavo Elenu. Bimehera Yavo Elenu. Imashiach ben David. 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 Mashiach ben David, Eliyahu Anavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Anavi, Bimera Yavo Elenu, Imashiach, Imashiach. Imashiach ben David, Imashiach, Imashiach, Imashiach ben David. Shavua tov likulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Shavua tov likulam, nous allons aborder ensemble notre Tania du jour. Oui, c'est important le Tania du jour. Voilà, donc Shabbat termine un petit peu plus tard, donc on se voit un petit peu plus tard. Que ce soit donc une belle semaine avec une guérison complète, totale pour tous les malades du âme Israël, qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles, que de la joie, que de l'allégresse. Shavua Tov à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Je vous invite donc à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus pour partager ces mots de Torah avec vous, tous ensemble, ce soir. C'est maintenant, donc c'est en live, mais également en replay, parce que notre Tania du jour, il ne faut pas le rater. Nous sommes au chapitre 39 du Tania, et voyons donc ce que le Admor HaZaken Rabbi Shneur Zalman a à nous dire à travers son texte du Tania. Ce qu'il a à nous dire, c'est la suite, hein, le prolongement de ce que nous avons abordé hier avec la grâce de Dieu. Cette question qui relatait l'importance que l'homme a quand il agit, quand il fait ce qu'il fait, et même par rapport à ce que les malachim, les anges célestes, eux peuvent faire. Nous avons quelque chose de particulier, nous avons une valeur particulière, nous avons un mérite particulier à cela. Puisque c'est Shabbat, on vient de passer un Shabbat de Kdusha, de sainteté, cette sainteté nous accompagne ce soir, et ce n'est pas un hasard. Si nous allons parler de cette âme-là, hein, cette âme-là qui est cette âme-là que nous avons reçue, qui est un petit peu plus importante le jour de Shabbat, c'est-à-dire où l'on révèle une dimension et un aspect de l'âme que nous avons tous les jours de notre vie, mais qui le jour de Shabbat se révèle être beaucoup plus puissant, beaucoup plus proche d'Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus proche de Dieu. Erev Tov à ceux qui nous rejoignent, je le dis, oui, 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 c'est un plaisir de vous avoir. Également, c'est partagé, c'est partagé. Ensemble, continuons et développons cela. Le chapitre 39 va donc rentrer dans les détails pour essayer de bien préciser qu'est-ce que ça veut dire que, vous savez, les Chayot HaKodesh, ces créatures célestes hein, qui sont là et qui prient à Kadosh Baruch Hu, qui prient Dieu, qui elles aussi font des louanges à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, lorsqu'elles se présentent devant lui. Regardons dans les mots ce que le Tania a à nous dire aujourd'hui. Il faut savoir que l'existence spirituelle de ce que l'on appelle les anges supérieurs sont aussi décrits parmi tant d'autres noms. Ils ont cette appellation que l'on donne, des noms d'animaux. Oui, des noms d'animaux que nous connaissons, que nous percevons dans notre monde ici matériel et physique. Kedirtiv, comme il est dit clairement dans Yecheskel. Que dit le prophète Yecheskel ? Upene Ariel Ayamin Vegomer, Upene Shorme Asemol. Il est bien question ici d'un lion du côté de la droite. Il est bien question ici de l'aspect d'un chor, d'un bœuf du côté gauche. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, Yecheskel, le prophète Yecheskel, quand il parle de cette façon? Est-ce qu'il nous parle vraiment d'un lion? Vraiment d'un bœuf? Non, il parle de l'aspect, de ce que reflète le lion, de ce que reflète l'idée du bœuf. Qu'est-ce que cela veut dire? En quoi cela peut nous concerner et concerner les anges? Alors,
En fait, on parle ici d'une existence et d'une forme spirituelle, d'un aspect spirituel. Comme nous l'avons expliqué à la fin du chapitre précédent, et comme nous allons l'expliquer également dans ce chapitre-là, sous quelle forme cela peut se passer. Alors, vous savez, le rabbi de Lubavitch pose une question. Il pose la question, il demande, mais pourquoi est-ce qu'on parle ici, le Tania, vous savez, le Tania, il parle de qui? Il parle de vous, il parle de moi, il parle de toutes ces personnes-là. Si tu peux juste fermer la porte, juste après. Si le Tania, il nous parle précisément, en général, il parle de vous, de moi, comme je vous disais, mais il parle surtout d'hommes, d'hommes physiques, matériels, qui vivent avec des contradictions, avec des problématiques à gérer, avec un corps, avec une âme, avec différents éléments qui nous accompagnent dans notre vie de tous les jours. Et ce n'est pas si évident que cela, de vivre à travers toutes ces responsabilités. Ces responsabilités, elles sont là et elles sont présentes, et on peut les vivre justement et précisément quand on est capable de vraiment de déceler, de comprendre ce qui se passe en nous. Alors le Tania, il nous parle de nous, il parle du corps, il parle de l'âme. Il parle des âmes, l'âme intellectuelle, l'âme naturelle, l'âme vitale, l'âme animale, l'âme divine. Il nous parle de ce corps que nous avons en nous. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que là, on ne parle plus d'âme, on nous parle des anges. Le rabbi de Lubavitch pose la question, il dit, mais pourquoi le Admor HaZaken, pourquoi le rabbi Shlomo Zalman de Liadi nous parle maintenant précisément de, ben des anges? En quoi cela peut-il nous concerner? Et le rabbi de Lubavitch nous expliquait de nous préciser cela, parce qu'en fait, en réalité, nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. C'est-à-dire qu'au moment où nous, on essaye d'accomplir la volonté de Dieu, il y a dans ces mondes célestes, dans ces mondes supérieurs, des créatures célestes qui sont là, qui elles aussi accomplissent la volonté de Dieu. Donc, le rabbi Shlomo Zalman veut ici nous mettre en relief leur façon, elles, qu'elles ont d'accomplir la volonté céleste, à savoir par l'amour et la crainte, ce que nous avons appelé « dechilu verechimu » dans le Zohar et dans la Kabbalah. Alors, c'est un amour et une crainte qui est donc spirituelle, qui ne ressemble pas à celle qu'on est capable de ressentir, nous, par nos sentiments ou même par notre intellect à nous. On parle de quelque chose de différent de ce que nous pouvons percevoir. Deuxième raison aussi, il faut savoir, c'est que la valeur ajoutée qu'il y a chez ces personnes-là, naturellement, qui, on peut appeler des personnes, c'est-à-dire ces créatures-là qui servent Dieu de cette façon-là, ça a une valeur ajoutée, ça a une valeur particulière qu'on ne peut pas tous avoir quand on a besoin de la rechercher intellectuellement. L'amour naturel, ce n'est pas l'amour intellectuel. L'amour intellectuel qui est généré par une réflexion, par un approfondissement, par un travail, par un effort personnel, c'est pas pareil que d'avoir quelque chose qui vient naturellement. Hein, c'est pas pareil. Upni Ariel Ayamin, Upni Shom et Asmol, donc Yeheskel nous le dit ici, et le point commun qu'il y a entre toutes et tous ces créatures célestes, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs elles ont été appelées des anges, mais des anges qui sont ou des chayotes ou des behemotes, des appellations d'animaux, les fiches namba les prira. On les décrit comme telles parce qu'elles n'ont pas de libre arbitre. La différence qu'il y a entre un homme et un animal, déjà première chose, c'est qu'il a le libre arbitre, l'homme. Il peut choisir ce qu'il doit choisir, ce qu'il veut faire. L'animal n'a pas de libre choix, n'a pas de libre arbitre. L'animal, il a un instinct. Il va vers ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent. C'est son instinct qui lui dicte son comportement. L'homme, ça n'est pas le cas. L'homme, il a le libre arbitre. Il a la possibilité de choisir ce qu'il veut faire ou pas faire. Non pas comme les hommes. Donc les anges ressemblent en cela aux animaux. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de choisir et de faire même la distinction entre le bien et le mal. Ils ne décrivent pas le bien et le mal comme un homme peut le décrire. Ils ne peuvent même pas choisir entre l'amour et la crainte, c'est-à-dire l'action concrète et le fait de ne pas faire. Le malach, l'ange, ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'il peut faire ou pas. Il doit faire. On ne lui demande pas son avis quelque part. Il doit faire ce qu'il a à faire. Le malach, c'est naturellement qui fait ce qu'il a à faire, qui choisit de faire la volonté de Dieu. Donc, il ne choisit pas entre l'amour et la crainte, entre de faire et de ne pas faire. L'homme, lui, doit choisir est-ce qu'il fait ou pas. L'homme, lui, craint ou aime, c'est lui qui décide. Viratam ve'avatam itivit la'em, et donc la crainte et l'amour qu'ils ont pour Dieu, elle est donc naturelle. Et Moshe Katov Bera Yamemna, comme il est écrit dans le Zohar, Parashat Pinchas, dans la Parasha de Pinchas. L'ange qui aime Dieu, ok, ou bien l'ange qui craint Dieu, ne ressent pas quelque chose. Il n'est même pas capable de savoir ce que se pèse, de quelle façon ça pèse dans son rapport avec Dieu. Ça fait partie de sa nature. Il a été créé pour ça, pour aimer Dieu, pour craindre Dieu.
parce que c'est un petit peu comme la nature de tout animal qui est là dans ce monde grossier dans lequel nous vivons, de ressentir et d'agir de telle ou telle façon en fonction de son instinct animal. Il lui dit le Noir Zakan, la reine malata tzadikim vient de la même. C'est la raison pour laquelle les tzadikim ont une valeur en quelque chose de plus que les anges n'ont pas. Parce que les anges, ils servent Dieu, pas parce qu'ils ont décidé de le servir. Les tzadikim, eux qui servent Dieu avec la reconnaissance intellectuelle, le libre choix et le libre arbitre, ils avaient choisi de faire tout ce que Dieu leur demande. Ils le font avec intellect, ils le font en se posant la question. Et donc, il y a beaucoup plus de valeur que l'ange peut avoir. Parce que tout simplement, chez l'homme, oui, quand il agit avec son amour, avec sa crainte, ben, il ne se pose pas de question de savoir est-ce qu'il agit ou pas. Il aime, donc il fait. Il craint, donc il craint, c'est naturel chez lui. Quand il agit avec son intellect, il décide de réaliser une chose ou pas, peu importe s'il l'aime ou qu'il n'aime pas d'ailleurs. Donc si on veut ici, la différence qu'il y a entre le tzaddik et le malach, entre le tzaddik et l'ange, c'est que le tzaddik, lui, il ressemble à cet intellect-là qui agit indépendamment des émotions. Dans ce cas-là, le malach, l'ange, représente, si on veut, les attributs, les vertus, les traits de caractère, les émotions qu'un homme peut avoir. Pourquoi ? Parce qu'il fait, parce qu'il aime Dieu ou parce qu'il craint Dieu de manière naturelle. Pourquoi ? Kim Medor, Nishmat Tzadikim Bo'olam Briya. On sait qu'il y a quatre mondes. Le monde d'Atsilut, le monde de Briya, le monde de Yetzira et le monde d'Asiya. Et on sait ça, que l'endroit où les anges vivent et sont et proviennent, ils viennent du monde de Yetzira. Briya, Yetzira, Asiya. Donc en fait, ils sont juste au-dessus du monde des hommes. Bien sûr, quand on parle de cela, on parle des malachim simplement. C'est ce qu'il va nous dire dans la note le Admor HaZaken. On va parler également de malachim supérieurs, ce qu'on appelle les malachim elyonim, qui eux proviennent même du monde de Briya. Le monde de Briya, c'est celui qui précède le monde de Yetzira. Comme le dit ici le Admor HaZaken, il y a des malachim qui viennent du monde de Briya qui sont appelés les séraphim. Les séraphim, vous savez, c'est une forme. Tu peux bien fermer, s'il te plaît. Ferme bien la porte. Ferme bien, bien, bien la porte. Merci beaucoup. Bien comme il faut. Merci, c'est super. Les séraphim, c'est une forme d'ange. Les ophanim, c'est une autre forme d'ange qui existe. Mais il y a aussi également des malachim qui ont un niveau moindre. Ces malachim-là viennent du monde de Yetzira. Chez Avodatam, il le dit ici, le Admor HaZaken, ce qu'ils ont à faire, eux, c'est de bitrilou rimou, de craindre ou d'aimer Dieu, mais de manière sikhlim, intellectuelle. Donc on voit bien ici la différence. Les anges qui sont du monde et qui proviennent du monde de Yetzira, ce sont des anges qui accomplissent la volonté de Dieu comment ? Avec leurs émotions, c'est-à-dire en aimant ou en craignant, pas en ayant décidé d'aimer ou pas. De manière naturelle, ils aiment Dieu. Les anges, eux, qui sont dans le monde de Briya, alors là, eux, ils agissent avec un amour et une crainte, mais toujours intellect. Intellectuel. Et ça, on va comprendre ce que ça veut dire. Comment aimer et craindre intellectuellement? Parce qu'a priori, aimer et craindre, c'est quoi? C'est une émotion. C'est pas intellectuel. Et là, on nous dit que cet ange-là, il est capable d'aimer et de craindre, mais intellectuellement. C'est ce que nous dit que Moshe Katouf Be'etzraim, c'est ce qui est dit dans le Etzraim. En fait, cette différence qu'il y a entre les anges, elle n'est pas une question juste de monde. C'est-à-dire, un, c'est le monde de Yetzira, un, c'est le monde de Yetzira. Parce que quelque part, il y a même une concomitance, il y a quelque chose qui les relie l'un à l'autre. Mais il y a différents détails qui sont décrits dans la Chassidoute et dans la Kabbalah, qui eux définissent vraiment les différences qui les définit vraiment. Les différences qu'on peut le voir déjà ici, Vaevdel de Bnehem, les différences qu'il y a entre le monde de Yetzira et le monde de Briya, ce n'est pas juste une différence de place, un petit peu comme dans tous les mondes spirituels, c'est une différence d'essence. Dans chaque monde, il y a une essence différente. Il y a une entité différente. Ce n'est pas du tout les mêmes codes, ce n'est pas du tout le même lieu, ce n'est pas du tout fait de la même chose. Et la différence essentielle se joue dans cela que « Uki be'olam ha'yetzira me'irot sham midotav she'en sof baruch hu » ce sera donc en cela la différence. C'est que dans le monde de Yetzira, eh bien, les vertus de l'infini du Saint béni soit-il se révèlent de manière particulièrement dévoilée. Mais attention, il s'agit là donc de Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod uniquement. Ces six vertus-là dans le monde de Yetzira.
Mais toutes les séphirotes, toutes ces vertus, tous ces attributs-là, qui correspondent à la partie intellectuelle, à savoir Chochma Bina Da'at, qui précède les émotions, elles ne se révèlent pas dans le monde de Yetzira. Quelles sont ces six vertus-là? She'en, Ha'avato, Ufachado, Ve'irato, c'est le fait d'aimer Dieu, c'est le fait de craindre Dieu, c'est le fait d'en avoir peur. Je précise ici, quand on parle ici d'avoir peur, c'est pas qu'on a peur de Dieu, c'est pas qu'on ait peur de la création, de la punition de Dieu, pas du tout. Craindre et avoir peur de Dieu, c'est-à-dire être capable de comprendre qu'on est tellement petit face à son immensité, face à sa grandeur, qu'on le craint. Comme un enfant qui craint son père, il ne le craint pas parce qu'il a peur de lui, il le craint parce qu'il se sent tellement petit face à ce que son papa peut représenter pour lui. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment? Eh bien, ils aiment, ils craignent Dieu de manière dévoilée dans le monde de Yetzira. Ça n'est pas juste une idée, c'est quelque chose d'assumé, de vécu dans le monde de Yetzira. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Alors, n'hésitez pas à partager, à liker. Et souhaitez un Shavua Tov, dites-nous Shavua Tov, dites-nous bonne semaine, souhaitez-vous de belles choses, Shavua Tov ou Mazal Tov, Eliyahuana Vizachor Latov, Viva Serlano Besorotovot, Yeshua Dvenechamot, n'hésitez pas à le souhaiter dans les commentaires, partagez avec vos amis, likez, oui, dites-le, faites-le, c'est parti, c'est magnifique comme ça. Alors, qu'est-ce que nous disent les Tikkunim sur cela? Vous allez voir, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet, nous allons parler des anges ce soir, encore un petit peu plus. Il est dit dans les Tikkunim. Tikkunim, ce sont des textes de Kabbalah qui sont là pour expliquer et approfondir ce que veut dire vraiment toutes ces notions-là. Etzraïm également, le Etzraïm qui est un grand livre de Kabbalah. Des Shit Sfirin Mekanelim Bitzira. Les six séphirotes, donc qui correspondent à Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Mekanelim. Elles sont là pour résider dans le monde de Yetzira. C'est-à-dire, l'endroit dans lequel elles sont actives, elles sont présentes, elles se dévoilent, c'est le monde de Yetzira. V'lachen zotida avodata malachim tamid. C'est la raison pour laquelle nous disons que ce que font les malachim constamment, perpétuellement, c'est-à-dire ce qu'ils font jour et nuit, yomam balayla, lo yishkotu. Jamais, ils ne se tairont, jamais ils ne cesseront de faire ce qu'ils font, ces anges-là. La amod bevira vafachad vechule, de se tenir avec crainte, devant Akadosh Baruch Hu, Veinu Kol Machane Gabriel, c'est tout le chant de Gabriel. C'est-à-dire, j'ai dit le chant, le camp de Gabriel, c'est-à-dire tout ce qui accompagne Gabriel. Tous ces anges-là qui sont en rapport avec le côté de la gauche, puisque Gabriel était du côté gauche. Vous savez qu'il y a 10 séphirotes. Et ces 10 séphirotes-là, elles sont séparées en 3 faisceaux. Nous avons le côté gauche, nous avons le côté droit et nous avons le côté central. Du côté gauche, nous avons... On commence par la gauche, donc je vais parler avec ma gauche. Je ne sais pas de quelle façon vous allez le voir, mais en tout cas, voilà. Chacun à sa gauche le comprendra de cette façon. Du côté gauche, nous avons la Bina, la Gevura et le Hod. Pourquoi la Bina, la Gevura et le Hod? Parce que vous le savez, Bina, ici, c'est le cérébral. Ça donne naissance à quoi? La première Mida qui est juste en bas, qui correspond donc aux vertus, à Gevura. Et ensuite, en bas de la Gevura, nous aurons donc le Hod. Du côté droit, nous avons Chochma. Ok. Juste après Chochma, nous avons donc la première Mida qui est après les cérébrales, c'est-à-dire le Chesed, face à la Gvura qui est à la gauche. Et là où la gauche, en bas de la gauche, nous avions la Od, là, qu'est-ce qu'on aura? On aura le Netzach. Donc nous avons Chochma, Chesed, Netzach. Et côté gauche, Gevura, Bina et Od. Ok, ça c'est les deux côtés. Maintenant, il y a la partie centrale. La partie centrale, donc de la même manière qu'on a eu Chochma et Bina, nous avons donc le centre. Ici, au milieu, nous aurons donc le Da'at, cérébral, donc un petit peu plus bas, hein, tel que c'est visualisé, tel que c'est donné dans les codes de la Kabbalah. Donc la Da'at un petit peu plus bas que Chochma et Bina, mais toujours du côté central. Un petit peu plus bas, nous aurons donc celle qui vient juste après au niveau des Midot, et celle qui vient juste après au niveau des Midot, c'est celle qui correspond à Tiferet, puisque nous avons créé des Gvoras, donc Tiferet. Et puis là, nous avions Netzach et Od, et là, nous aurons donc Yesod, un petit peu plus bas, qui donnera naissance ensuite au Malchut, qui viendra après, mais qui n'est pas du tout ici relaté dans les six Midot et les six Sephirot. Si on regarde bien ici, dans ces trois faisceaux que nous avons, dans ces trois côtés-là, nous avons un côté qui correspond à quoi? Un côté qui correspond au côté rigueur, c'est-à-dire la
Gevura, la rigueur. Nous avons la Bina, qui est aussi la capacité de discerner ce qui a été donné par le Chesed. La Bina, qui correspond à la femme, celle qui reçoit. Alors, ce côté rigueur, il correspond bien sûr au côté gauche. C'est la raison pour laquelle tous les anges qui proviennent du côté gauche auront donc à servir Dieu par la crainte. C'est très important. Par la crainte, par la rigueur. Oui, parce qu'ils éprouvent cette crainte pour Dieu. Et parce qu'ils viennent du côté gauche. Donc, constructivement parlant, ils viennent du côté gauche et ils agissent de cette façon-là. Ça, c'est le côté Gabriel. Mais le côté Michaël, c'est autre chose. Le côté Michaël, c'est le côté droit. C'est la raison pour laquelle, si vous avez des amis qui s'appellent Gabriel, ne vous étonnez pas s'ils sont un peu rigoureux. Ça peut être positif, la rigueur, d'ailleurs. On ne parle pas ici de rigueur négative, hein. On parle de rigueur positive. Si vous regardez bien d'ailleurs le mot Gabriel, vous avez déjà trois lettres, si ce n'est plus d'ailleurs, qui correspondent à la Gvoura. Gabriel, ça s'écrit Gimel, Bet, Resh, Yud, Aleph, Lamed. Gvoura, nous avons le Gimel, nous avons le Bet, nous avons le Resh, la rigueur. Prenons le côté Michaël. Du côté Michaël, donc, nous avons le côté droit. Et le côté droit, c'est le côté du Chesed. Le Chesed, tous les anges qui, eux, sont en relation avec le côté droit, qui proviennent du côté droit, vont donc travailler et servir Dieu du côté de l'amour. Ce sont les anges du corps de Michaël, ce sont des anges qui existent à travers l'amour de Dieu, avec toute la palette et toute cette facette, toutes ces différentes facettes d'appréciation et de réalisation. Voilà. Et bien sûr, nous avons donc de ce côté-là une symbiose. Hein, parce que si vous voulez, les vertus qui viennent de Chesed ou de Gvoura, de la bonté ou de la rigueur, d'un certain sens, sont les, on peut les appeler même les matrices des six vertus. C'est la raison pour laquelle les anges qui ont été rappelés ici, c'est-à-dire Michaël et Gabriel, englobent tous les camps des différents malachim, des différents anges et de toutes les existences qu'il y aurait, toutes les entités qu'il y aurait dans le monde de Yetzira. Qu'est-ce qu'il a à faire le malach? Qu'est-ce qu'ils ont à faire les anges? Ils ont à servir Dieu par l'amour et par la crainte. Et en fait, ça les amène. Et ils proviennent d'ailleurs de niveaux émotionnellement parlant très 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 élevés. Ça, ils peuvent le ressentir sans avoir besoin de faire un travail particulier, d'un effort particulier, sans avoir besoin de reconnaître quelque chose, sans avoir décidé quelque chose. Parce qu'en général, une émotion, elle est produite par un raisonnement, par une volonté, par une sensation, par une émotion, par une volonté, par quelque chose, par un choix. Donc, qui est nécessaire, qui est introduit par un libre arbitre. Et là, nous parlons de quelque chose qui serait vécu, non pas parce qu'il y aurait une décision, parce qu'il y a une envie ou une décision prise qui viendrait après un libre arbitre, non, mais quelque chose de naturel. Prenons l'exemple. L'ange qui va aimer Dieu, de la même manière que, par exemple, un animal se jetterait sur sa proie. Ça fait bizarre de le dire, mais c'est ça l'idée. L'ange, il va aimer pas parce qu'il s'est posé la question. Le lion qui voit une proie, il se jette dessus, il ne se pose pas la question est-ce qu'il a mangé à midi ou pas. C'est naturel, il va se jeter sur sa proie, parce qu'il sait que cette proie-là, il doit la tuer pour pouvoir l'avoir, pour maintenant, pour sa famille, pour après. Mais en tout cas, il ne se pose pas de question. Le malach, il sert Dieu de la même manière, instinctivement parlant, comme ça. Le malach, il aime Dieu, et c'est comme ça qu'il s'exprime, ça veut dire qu'il existe à travers cet amour instinctif qu'il a pour Dieu. Donc il n'y a même pas de question quand il aime Dieu. Il aime Dieu parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Il ne sait pas être autre chose qu'être amour pour Dieu. Toute son existence, elle s'exprime, elle prend sa place dans l'amour de Dieu. De la même manière qu'un ange qui vient d'un autre camp, d'accord, qui vient d'une entité différente, par exemple, celle de la crainte de Dieu, lui ne serait pas capable de vivre si ce n'est que dans la crainte de Dieu. Il ne se sent pas exister, il ne se sent pas capable d'être si ce n'est dans la crainte de Dieu. Donc, ce n'est pas une frustration, c'est pas qu'il se sent obligé de craindre Dieu, c'est pas qu'il aimerait servir Dieu de manière différente. Il craint Dieu, parce que c'est sa nature, il est cette crainte-là. Ça, c'est le monde de Yetzira. Maintenant, avant le monde de Yetzira, c'est-à-dire le monde un petit peu plus élevé, il y a le monde de Bria. Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde de Bria? Valbeolam Abria Mirocham Chormato Vinato Vidato Shelinsov Baruchou. Il y a là-bas quelque part quelque chose d'énorme. Il y a la sagesse, il y a le discernement, le da'at, donc les trois premières cérébrales, chorpam et da'at, de l'infini du Saint-Béni soit-il qui se dévoile. On est à un niveau qui est très 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 élevé là.
ces séphirotes-là, qui sont les sources des vertus et qui sont les matrices et la source et la base et la racine de tout ce qui va venir après. Comme il est dit, batikunim dans le Zohar, comme il est dit là-bas, de ima ilaa mekanena bitlat sefiran de chursaya. La matrice supérieure, suprême, elle est là et elle donne, elle réside à travers les trois premières séphirotes, c'est-à-dire Chokhma Bina Da'at, qui se trouvent sur le trône céleste. L'Echaim, l'Echaim. Quelle est donc cette matrice supérieure, suprême, qui est au-dessus de tout? C'est donc la Sphira de la Bina. La Bina qui se trouve dans le monde d'Atsilut, le monde de tous les possibles. Le monde de tous les possibles qui lui permet, elle, de résider. Elle est là-bas, elle réside, elle se dévoile à travers ces trois vertus-là, qui sont Chokhma, Bina, Da'at, plus que des vertus des intellects. Puisqu'on sait que la Bina, c'est l'essentiel même de la notion intellectuelle, de toutes les séphirotes qui concernent l'intellect, c'est-à-dire Chokhma et Da'at. Entre Chokhma et Bina, Da'at, Bina, c'est le centre. Chokhma, c'est celle qui va donner le flash. Bina, c'est celle qui va assimiler, discerner, approfondir. Da'at, c'est celle qui va assumer quelque part ce qui a été approfondi à travers la Bina et qui va produire donc les émotions qui vont venir juste après. Mais dans la Bina, il se passe quelque chose de très 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 fort, de très puissant. La Bina, c'est elle qui donne naissance à ce qui va se passer après parce que c'est elle qui permet d'approfondir, de pétrir, de discerner. Ici, il le dit comme ça, hein, dans le Tania, il dit avec ces mots-là et de manière très 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 claire. Yechezkel, le prophète Yechezkel, quand il imagine la Bina, quand il imagine d'ailleurs Chokhma Bina d'ailleurs aussi également, c'est dit dans la Gemara Chagiga, on parle ici du Kissé, du trône, qui est même au-dessus même des Chayot HaKodesh, c'est-à-dire des Malachim, des anges qui sont en dessous. C'est-à-dire au-dessus du monde des anges, il y a le monde de Yetzira. Et dans ce monde-là, c'est un monde complet, total, qui correspond à un niveau qui précède tous les mondes qui le succèdent juste après. Et ce monde de Bria, c'est le monde du trône. Pourquoi? Parce que dans ce monde du trône-là, il y a l'endroit où les tzadikim se tiennent. Et nous l'avons dit tout à l'heure, parfois les tzadikim, et souvent les tzadikim, et d'ailleurs les tzadikim, eux précèdent et devancent même le niveau des anges. La source et la base et la racine des âmes des tzadikim, qui eux servent Dieu, comment? Par crainte et par l'amour. Qui provient, elle, de quoi? De la bina, du discernement, du da'a, de la conscience, de la pleine conscience, du savoir. Quel savoir et quelle conscience? D'ikdoulat en sof barou, de comprendre et de saisir la grandeur de l'infini du Saint béni soit-il. Cela se trouve précisément dans ce monde de Bria. Pourquoi? Parce que les sentiments qui naissent, et qui vont pousser, qui vont grandir. De quoi? De cette prise de conscience, intellectuellement parlant, c'est-à-dire de Chokhma, de Bina ou de Da'at, que eux vont faire naître dans ce monde de Bria et depuis ce monde de Bria. Comme il est dit que tout le service d'Akadosh Baruch Hu, c'est a priori un service qui est vécu par quoi? Par les Midot, par la Hava, par l'amour, par la crainte. Quand ils sont dirigés vers la sainteté. Et quand le service d'un homme, c'est-à-dire que quand il sert Dieu et que ça reste dans un monde et à un niveau de saisissement intellectuel et d'analyse intellectuelle, qui est la source de ces émotions-là, eh bien l'homme réussit à ce moment-là à faire en sorte que et ses émotions et ses analyses intellectuelles montent et se rattachent au monde de Bria. Et ça, c'est exceptionnel, c'est pas si facile. Du tout d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle c'est que les tzadikim qui réussissent à faire cela. Parce qu'ils réussissent à avoir un amour ou une crainte qui dépasse tout. Qui va toucher le niveau de l'intellect. On a du mal à comprendre ce que cela veut dire. Aimer intellectuellement, vous imaginez ce que ça veut dire? La froideur de l'esprit qui peut toucher la chaleur de l'émotion. La chaleur de l'émotion qui arrive à intégrer et à s'immiscer et s'introduire dans la froideur de l'intellect. Ça, c'est un niveau qui est énorme. L'Echaim. Chez Ahavazo, cet amour-là, tel qu'elle est dans la racine même de l'intellect, Nikra Rehuta Deliba, c'est appelé la volonté du cœur. Eh oui, il y a la volonté du cœur. Là où on pourrait penser que le cœur, c'est quoi? C'est une émotion, c'est une pulsion, c'est une sensation, un instinct parfois même. On vient te dire, non, pas du tout. L'émotion du cœur, c'est aussi parfois
la volonté du cœur. Il y a dans le cœur donc le ratson alev, reuta deliba, tel que c'est écrit dans le Zohar, dans la Kabbalah, Kanis Karliel, comme il est dit un petit peu plus haut. Ou mais reuta deliba. Et de cette volonté du cœur, il y a une puissance énorme dans cette volonté du cœur. J'ai la possibilité de comprendre et de vouloir. Ça veut dire que je veux à travers le cœur. Ça veut dire que je peux comprendre ce que mon âme veut. Grâce à mon intellect, je comprends ce que mon âme veut. Ça, c'est quelque chose. Ça veut dire que ma volonté est à l'écoute de ce qui se passe dans mon cœur. Ça veut dire que mon cœur est à l'écoute de ce qui se passe dans la profondeur de mon âme. Il arrive à le découvrir, il se dévoile de manière intérieure profonde, il est même capable de le ressentir concrètement. Cela fait naître en lui de l'amour et de la crainte. Et donc il agit ensuite en conséquence. Umereuta deliba, et de cette volonté du cœur, naase levush la neshama beolam habria, il y a à ce moment-là une naissance. De cet amour provient donc ensuite, de quel amour ? On l'a bien précisé, d'un amour que j'ai réussi à susciter par l'intellect de Bina ou par la conscience du Da'at, j'ai permis à l'âme de s'habiller de quelque chose et de lui donner la possibilité de vivre dans ce monde-là ce message que j'ai réussi à intégrer, à intérioriser et à vivre grâce à cette analyse intellectuelle qu'il y a eu par Bina et qui a été suscitée également par Da'at. Ça veut dire, c'est pas juste un sentiment extérieur et superficiel. La volonté du cœur et la volonté profonde et le ressenti profond qui est caché à ce niveau-là quand il y a une reconnaissance et une perception peut me permettre de me relier, permettre à l'âme d'être présente dans ce monde-là ici-bas tout en ayant une source réelle et profonde dans le monde de Bria qui est le monde de tous les possibles qui est au-dessus de tout. C'est a priori le monde qui se détache de l'intellect mais qui en même temps peut être vécu. Parce qu'il y a eu un travail qui a été fait de manière phénoménale, extraordinaire. C'est quoi ? Shugan Eden Haylion Kedikaman. Nous parlons ici d'un niveau où c'est le Gan Eden supérieur. Comme on va le dire un petit peu plus loin dans le chapitre Bezrat Hashem dans les jours qui arrivent. Uchmosh Katov Bazohar, ou comme il est dit également dans le Zohar. C'est important quand même, on va donner ici succinctement quelques règles globales de ce dont il est question ici, à savoir le Gan Eden Elion ou Gan Eden Tarton. Le Gan Eden supérieur et le Gan Eden inférieur. On parle bien sûr pas de supérieur et d'inférieur à titre géographique du terme, parce qu'ici on parle de monde supérieur et inférieur spirituel. Donc on parle de niveau d'existence d'un Gan Eden qui est un niveau moindre que celui qui le précède. Le Gan Eden inférieur, il se trouve dans le monde de Yetzira. Le Gan Eden supérieur se trouve dans le monde de Bria. En conséquence de quoi, on est capable de comprendre, en partant de ce postulat, que quand on parle d'une existence d'une âme dans un Gan Eden, nous ne parlons pas ici d'une existence et d'une entité matérielle, d'un espace et d'un temps matériel, mais nous parlons du lien et du rapport et du contact que peut avoir l'âme de cette entité-là grâce aux vêtements, aux outils, aux moyens d'expression qu'elle est capable de percevoir et d'avoir et de saisir par l'amour et la crainte qu'elle a réussi à avoir et ressentir dans ce monde-là. C'est de cette façon-là que l'action que nous avons dans ce monde-là, ici-bas, peut avoir une incidence sur ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Lorsque l'amour et la crainte sont vécus comment ? Par le reuta deliba, c'est-à-dire par la volonté du cœur, et pas juste parce que le cœur a eu une émotion et un ressenti, mais parce qu'il y a une volonté du cœur, c'est-à-dire que le lien de l'âme que nous avons peut se relier avec la base et la source de cette âme-là qui se trouve dans le monde de Bria. Et ça, c'est particulier. Ça, c'est particulier, vous savez pourquoi ? Parce que c'est comprendre la capacité qu'un homme peut avoir ici-bas sur Terre, dans un monde physique, matériel, limité, à être transcendé par un niveau de spiritualité et un niveau d'attachement avec le divin qui va transcender tous les mondes supérieurs pour monter jusqu'au monde de Bria. Et ça, c'est possible. Ça nous concerne chacune et chacun d'entre nous dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Le jour du Shabbat, on vient de le quitter, il nous accompagnera, mais ils sont attachés parce qu'il faut s'en rappeler. Comme le dit le Zohar, du jour du Shabbat sont bénis tous les autres jours de la semaine. La sainteté qu'on est capable de saisir pendant le jour de Shabbat, l'infinie présence de Dieu, l'infinie sainteté et pureté qu'on a réussi à intégrer, ou pas, parce que parfois on n'en est même pas conscient, elle va nous accompagner toute la semaine.
puisqu'ils se bénissent, comme le dit le Zohar, du jour du Shabbat. Mais il est dit aussi autre chose, donc rassurez-vous, si on n'a pas vraiment réussi à vivre le Shabbat comme il fallait, on n'a pas raté le coche. Parce qu'on a la possibilité de faire en sorte que nos jours de la semaine qui arrive vont permettre de vivre le Shabbat d'après comme il faut. Puisque c'est, on sait que le Shabbat aussi dépend des jours de la semaine qui la précède. Donc chaque jour, là, maintenant, chaque instant de notre vie, qui va précéder d'ailleurs ce grand Shabbat, Shabbat Agadol, qui va précéder Pessah, puisqu'il va introduire la fête de Pessah sans qu'on puisse même s'arrêter. Donc un Shabbat d'une doucha phénoménale. On peut comprendre que pendant tous les jours de notre existence, on est capable de faire cette connexion, de créer ce lien. Et comprendre que si les malachim, eux, on peut leur donner les noms de ces animaux-là parce qu'ils ont ces attitudes-là qui leur correspondent, on a la possibilité aussi, nous, de percevoir, même ce qui n'est pas matériel et qui reste spirituel, comprendre que nos agissements ont un impact, une influence, une incidence sur ce qui se passe dans notre âme, dans notre, vous savez, notre alter ego même, quelque chose de spirituel qui est en nous et qui bouge en fonction de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous disons et de tout ce que, à quoi nous pensons. C'est sur ces mots-là que l'on va se souhaiter un Shavua Tov, Mazel Tov, une excellente semaine, pleine bénédiction pour chacune et chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, que l'on puisse se voir toujours dans la joie, le bonheur, la réussite. Je vous souhaite un excellent Shabbat, Shalom, pour la semaine prochaine, Shabbat Agadol, et surtout un très très bon Shavua Tov. Une excellente soirée, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter cette publication. Vous en êtes, oui, vous en êtes la réussite, et ça c'est magnifique. Razak à vous, votre présence. On se dit Bezrat Hashem demain à 8h du matin, Bezrat Hashem pour partager le Tania du jour. Ensemble, nous parlerons des anges encore. Eh oui, ils nous accompagnent. Ceux qui gèrent tout ça, hein, vous savez, nos prières, on les envoie aux anges. Les anges, ils sont là, ils les déposent devant Dieu. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Que Dieu vous bénisse et on se quitte en musique. C'est important quand même. Eliyahu Anavi, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Anavi, Bimera Yavo Elenu, Imashiach, 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 Ben David, Imashiach, 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 Ben David, Arachaman. הוא ישלח לנו את אליהו הנביא הרחמן. הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב. ויבשר לנו לנו, ויבשר לנו לנו, ויבשר לנו בשורות טובות, ישוע לנחמות. ויבשר לנו לנו. ויבשר לנו לנו, ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. שבוע טוב, אקסלנט סוארי.